fêter les 30 ans d'un établissement comme celui-là, c'est pour l'entrée d'universitaire. C'est pas le président qui me démentira. Un vrai moment de bonheur. La première réflexion que nous avons eue et que nous poursuivrons, puisque c'est le moment, après 30 ans, quel avenir, quelle prospective, c'est que nous devons peut-être ensemble mieux sécuriser, mieux aider le parcours de ces personnes vers le milieu ordinaire. Tout le monde a vocation à être citoyen. Et donc il faut donner, et c'est toujours une réflexion que doit avoir la société, il faut toujours donner les moyens aux personnes de pouvoir se réaliser. Mais je tiens à rendre hommage à l'association Entraide Universitaire pour son soutien, pour sa quête d'ouverture sociale à travers la création du premier ESAT foyer Jean Moulin pour sourds en France en 1986 et le premier Café Signe au monde. Je suis fière lorsque des clients du Café Signe admirent le courage de nos serveurs qui osent se confronter au monde des entendants avec la peur au ventre de ne pas comprendre la commande. C'est ça l'insertion.